Aung San Suu Kyi, invitée à s'exprimer devant le Parlement britannique à Westminster. D'ordinaire, les seules personnalités étrangères ayant ce privilège sont des chefs d'État. Mais là, Londres a fait une exception pour la célèbre opposante birmane, prix Nobel de la paix en 1991. J'ai l'honneur d'accueillir celle qui est la conscience d'un pays et une figure pour l'humanité, Aung San Suu Kyi. Mon pays aujourd'hui s'apprête à entamer sa route vers, je l'espère, un avenir plus radieux. Il y a encore de nombreuses collines à gravir, des fossés à traverser, des obstacles à surmonter. Notre propre volonté nous permettra d'y parvenir. Le soutien du peuple britannique et des peuples du monde entier nous permettra d'aller encore plus loin. Aung San Suu Kyi effectue actuellement une tournée internationale. Elle doit rester en Grande-Bretagne jusqu'à mardi prochain. Elle se rendra ensuite en France à l'invitation de François Hollande.